c'est une étude qui portait sur l'année 2020. On a eu 450 cas, qui est un chiffre qui peut sembler pas énorme, mais il faut savoir que toutes les autres années, on tournait aux alentours de 200-250, donc on a quasiment doublé le nombre de cas sur cette année 2020. Il faut savoir que voilà, on est beaucoup moins parti à l'étranger, on est beaucoup plus resté en Suisse, on a eu des bonnes conditions météo, les gens sont beaucoup sortis se balader en forêt. C'est une des raisons qu'on suspecte qui explique fortement ce record. Il y a beaucoup de paramètres, c'est difficile d'en sortir un en particulier, mais typiquement le réchauffement climatique peut en partie expliquer ça. Le fait qu'on ait des étés plus doux permettent aux tiques de mieux survivre. L'été, on en trouve de plus en plus. Aussi, on se rapproche de plus en plus des environnements des animaux. On expand les villes et il faut les tiques pour transmettre cette maladie ont besoin de foyers d'animaux, de petits rongeurs, de plus grands cervidés. Et du coup, on est de plus en plus exposé à cette maladie. Genève est en soi une des régions les moins touchées de Suisse, beaucoup plus urbaine. Du coup, beaucoup moins facile d'avoir des foyers pour les tiques avec beaucoup d'animaux pour transmettre le virus. Sinon, il y a plus ou moins toute la Suisse qui est touchée. Les régions de forêts, de prairies, plutôt basse en altitude, on a peu de tiques au-dessus de 1500 mètres, voire pas du tout de tiques au-dessus de 1500 mètres avec la maladie. Donc voilà, c'est ces régions-là. Le Tessin est une région nouvellement touchée, pas encore déclarée comme zone à risque, mais ça pourrait venir peut-être dans les prochaines années. La tique peut transmettre deux maladies qui sont différentes, c'est bien ça? Exactement. Il y a la maladie de Lyme, qu'on connaît beaucoup plus, qui est beaucoup plus présente, qui est transmise par une bactérie. Et il y a cette méningoencéphalite verno-estivale, qui est transmise, elle, par un virus, pour lequel on a, pour le coup, aucun traitement, contrairement à la borréliose. C'est une maladie qui est moins étudiée, moins connue, et qui surtout progresse. Ces dernières années en Suisse, qui était au début des années 2000, beaucoup plus au nord-est de la Suisse et qui progresse de plus en plus dans nos régions et on voit le nombre de cas qui augmente. C'est une maladie potentiellement grave pour laquelle on n'a pas de traitement et qui peut engendrer des conséquences à long terme. C'est une maladie souvent qui est en deux phases. Première phase, c'est plus ou moins une grippe, on a de la fièvre, on a mal à la tête, on a mal partout, qui dure environ une semaine. Après, on a une phase où ça va mieux d'une dizaine de jours, on n'a plus de symptômes. Et dans, il me semble que c'est 50% des cas, on a une deuxième phase qui se crée où ça peut aller de très léger, on a juste mal à la tête, à très sévère, où on est paralysé, on peut avoir des crises d'épilepsie, des tremblements, troubles de l'état de conscience. Et il faut savoir que plus on est âgé, plus on est à risque de faire des maladies sévères. Comment faire pour prévenir les morsures de tiques? Pour prévenir les morsures de tiques, le meilleur moyen, c'est d'avoir des habits longs. Il y a aussi des répulsifs qui existent contre les tiques, mettre sur les habits, sur soi. Mettre les chaussettes par-dessus le pantalon, c'est pas forcément la chose la plus sexy à faire, mais c'est une des choses qui protège le mieux, des habits clairs pour reconnaître les tiques. Voilà, après, de bien s'inspecter une fois qu'on est parti se balader en forêt. Retirer la tique aide beaucoup pour la maladie de Lyme, parce que la maladie met du temps à se transmettre. Ça aide beaucoup moins pour l'encéphalite atique, parce que la maladie se répand très vite vu qu'elle est dans les glandes salivaires de la tique. La probabilité d'être malade est faible. C'est estimé à peu près 1% des tiques qui portent le virus. Rappelez aux gens de se vacciner s'ils vont se balader en forêt, parce que c'est le meilleur moyen de prévenir cette maladie.